En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. Le gouvernement togolais a décidé de reporter l'étude en commission du projet de loi portant modification de la Constitution, adopté quelques jours plus tôt. Un report qui intervient alors même que les regards se tournent vers l'expert constitutionnaliste recruté par la CEDEAO et son rapport contenant des propositions pour la modification de 3 articles de la Constitution togolaise. La coalition a déjà fait connaître sa position par rapport au texte adopté par le gouvernement, relevant notamment l'absence de l'expression « en aucun cas ». Alors, l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Suite au report de l'étude en commission du projet introduit par le gouvernement, comment obtenir le consensus autour d'un texte de révision constitutionnelle au Togo? Et pour en parler, normalement je devrais être en studio avec un acteur de la société civile. Cette personnalité nous rejoindra si tout se passe bien dans les minutes qui viennent. Nous allons donc y aller pour commencer avec vous les auditeurs qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une... Tout de suite par téléphone en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Suite au report de l'étude en commission du projet introduit par le gouvernement, comment obtenir le consensus autour d'un texte de révision constitutionnelle au Togo? C'est le thème du jour. Vous avez maintenant la possibilité de nous appeler donc le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour partager votre point de vue avec nous. Nous avons un premier auditeur en ligne, nous le prenons. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Taoufik. Taoufik, vous nous appelez de? Je vous appelle de VTCOM. VTCOM, et alors, suite au report de l'étude en commission du projet introduit par le gouvernement, comment obtenir le consensus autour d'un texte de révision constitutionnelle au Togo? Bon, pour qu'il y ait consensus, d'abord, il faut que tout le monde mette bas la tête. Et que la classe politique s'assaille, le pouvoir et l'opposition, pour se parler comme des frères d'un même pays et les électeurs de côté. C'est-à-dire ils doivent s'asseoir pour discuter sans préjugés ni idées arrêtées? Allô? Oui, c'est-à-dire pour vous, ils doivent s'asseoir et discuter entre frères comme des Togolais, c'est ce que vous avez dit? Oui, c'est ça. Alors, le point d'achoppement? Le point d'achoppement, c'est cette phrase, en aucun cas, qui revient toujours. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir une concession à ce sujet ou la coalition devrait maintenir sa position et c'est à l'autre camp de faire des concessions? Bon, la phrase « en aucun cas » est une meilleure phrase qui doit être introduite dans la Constitution. Sinon, demain, on aura toujours des problèmes. Alors, faut qu'on comprenne que si on met cette phrase-là, si un autre président vient au pouvoir, il ne pourra plus avoir la possibilité de toucher la Constitution. Cette phrase doit être maintenue. Alors, les discussions doivent porter sur quoi alors? Quand vous dites qu'ils doivent s'asseoir pour discuter, est-ce par rapport au sort de l'actuel président ou quoi concrètement? Ça, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire comme proposition à votre avis? Bon, comme proposition, il reste encore moins un peu de temps pour que nous puissions aller en 2020. La fin du mandat du nouveau président. De l'actuel président. Oui. De l'actuel président, pardon. Voilà.
Bon, il faut que le paysan aussi se donne pour que les choses puissent aller bien. C'est le paysan qui doit décider. Il se donne, il comprend que les Togolais ont besoin de changement et tout se passera comme une lettre à la poste. Bien. Merci. Merci Taoufik d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Suite au report de l'étude en commission du projet introduit par le gouvernement, comment obtenir le consensus autour d'un texte de révision constitutionnelle au Togo? C'est le thème du jour. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Max. Max Dadido Gomé. Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y, Max. Ok, merci. Il faudrait que tout le monde comprenne que rien, à part le Dieu, l'Éternel, au niveau de nous les hommes et des choses, tout a une. Donc, quoi que nous fassions aujourd'hui, quelle que soit notre existence, ça finira. Il faudrait que cette sagesse, les Togolais l'acquièrent. Pour avoir ce consensus sur ce texte qui pose tant de problèmes. Donc, pour vous, il faut simplement comprendre que tout sur Terre a une fin et on aura un consensus assez facilement. C'est cela, Max? Oui, oui. Bien. Merci. Merci d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM où, pour obtenir un consensus, Fernand écrit qu'il faut un gouvernement de transition pour faire les réformes. Au cas échéant, on a besoin de facilitateurs et une commission de suivi honnête, prêt à dire la vérité aux deux parties. Nouroudine Awalou, lui, écrit que ce serait difficile de trouver un consensus des deux côtés. La CEDEAO doit revoir sa copie. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va très, très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Et moi, je crois que tout le processus est à reprendre par Z, à commencer même par le recensement. Vous me direz quel rapport, oui. N'oubliez vous, pas. Vous lisez très bien dans ma tête, monsieur Maglo. Alors, vous me direz quel rapport? Moi, je dis qu'il y a bien un rapport. Étant donné, entre-temps, la commission a demandé qu'on reprenne tout le processus. Est-ce qu'ils seront disposés encore à discuter avec le gouvernement? C'est ça la grande question. Je crois que si le gouvernement même trouve qu'il faut reporter l'étude, c'est qu'il a vu quelque chose devant. Ce n'est pas anodin. Vous savez, ce pouvoir ne fait rien sans rien. Hein. Mais alors, comment obtenir le consensus? Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? Si vous avez été mordu par un serpent, il faut avoir peur du ver de terre. Alors, la coalition étant tellement traînée, je crois qu'elle va se méfier de la sincérité. Donc, pour mieux faire les choses, je crois que le pouvoir fera de mieux de reprendre tout le processus. Et pour le recensement, comme je l'avais dit. Et pour ce qui est de s'asseoir et discuter entre frères, comme des Togolais, tel que préconisé par Taoufik. Oui, discuter, je suis d'accord. Mais avec sincérité, étant donné que ce pouvoir n'est jamais sincère, et il doit poser un jalon. Et ce jalon, il doit reprendre le recensement. Ce jalon donnera confiance à l'opposition que vraiment il commence à comprendre certaines choses. Bien. Merci. Merci, monsieur okay. Maglo, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Abdou Didéal, sur la page Facebook de Nana FM, va un peu dans le même sens que monsieur Maglo. Il écrit que le gouvernement a, d'une manière unilatérale, enclenché le processus électoral. Il vaudrait mieux que la C14 ne s'y mêle pas pour légitimer cette mascarade. Un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Sa Majesté. Vous voulez bien me donner votre véritable prénom au moins? Ah, c'est Kofi. Kofi, vous m'appelez d'où? Vous voulez bien parler un peu plus fort et baisser le volume de votre radio? Allez-y, nous vous écoutons. Ah oui, ça annonce la fin, hein?
Il préfère raccrocher tout de suite. Le bip de la fin de, des unités avait retenti et donc il a préféré raccrocher le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Auditeur en ligne, allô. Allô. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, Dieu merci. On vous appelle comment? Didier. Didier de Baie. Ouais, allez-y, nous vous écoutons. Oui, moi je pense que pour avoir un consensus, c'est le chef de l'État qui doit se surpasser. Parce que quel que soit ce que nous disons, les feintes que nous faisons, eux ils font, c'est lui le véritable problème de ce pays. C'est sa soif de rester au pouvoir qui amène tous ces problèmes. Vous êtes sûr, vous êtes sûr qu'il ne s'agit que de lui seul, parce que au sein de la coalition, on parle également de son entourage. Il n'est peut-être pas le seul à décider. C'est pas lui qui nomme ses entourages. Donc vous pensez qu'il a les pleins pouvoirs. Vous voyez tous les débats que vous allez vous abattez dans ce pays, les investigations que vous faites, est-ce qu'il s'en moque? Vous prenez le cas de Nyonfam. Donc vous pensez qu'il est le seul à détenir les pouvoirs? C'est lui, parce que c'est lui qui veut rester au pouvoir. Le juge dirait, non, mes frères, venez en discuter, c'est moi le problème. Laissez-moi, si ça met un mandat, finis mon mandat, je pense que tu iras mieux dans ce pays-là. Bien, merci Didier. On retiendra que vous estimez que c'est au chef de l'État de se surpasser pour qu'il y ait un consensus autour de la révision constitutionnelle. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne juste après cette réaction de Julien Weledi sur la page Facebook de Nana FM, qui dit qu'il faut simplement garder le texte proposé par l'expert constitutionnaliste en l'état sans aucune modification. Il dit qu'à son avis, il n'y aura plus de consensus au-delà de ce texte. Et on précise qu'officiellement, nous ne sommes pas en possession du contenu de ce rapport, au-delà de la version qui circule sur les réseaux sociaux et qui serait, d'après le ministre Gilbert Barrara, pas la bonne version. Le 91 09 71 71, allô. Allô. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Allô. Alors, quand vous nous appelez, on vous rappelle qu'il faut maintenir le volume de votre poste récepteur plus ou moins bas afin de pouvoir nous entendre et participer à cet échange dans les meilleures conditions. Un autre auditeur en ligne, allô. Auditeur en ligne, allô. Allô. Bonjour. Allô, allô. 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 Oui, vous êtes à l'antenne, on vous appelle comment? Allô. Oui, est-ce que vous m'écoutez? Alors, visiblement pas. Je rappelle encore une fois la règle. Quand vous nous appelez, n'éteignez pas complètement votre radio. Il suffit juste de baisser un peu le volume afin de pouvoir nous écouter. Cela facilitera les échanges. Encore une fois, quand vous nous appelez, n'éteignez pas votre radio, ne baissez pas complètement le volume, baissez-le juste un peu pour être en mesure de nous écouter. Allô. Allô. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle Thomas, j'appelle de Thiévier. Alors, monsieur Thomas, comment vont les habitants de Thiévier? Oui, je vais bien. C'est-à-dire que je ne comprends pas quelque chose concernant le vote des députés là. C'est-à-dire, j'apprenais que la réforme qu'on voulait faire, c'est-à-dire quelque part dans certaines préfectures, ils parlent de peut-être 18 000 voix pour avoir eu un député. Alors que dans une autre préfecture, il faut 50 000. Si c'est ça, expliquez-nous bien ce qui se passe réellement là-bas. Alors, Thomas, oui. Ce matin, le débat ne porte pas précisément sur le découpage électoral. C'est vrai qu'il y a aussi des revendications de la coalition par rapport à ce sujet qui voudrait justement qu'un député ait le même nombre de voix pour être élu dans toutes les zones du pays et qu'il n'y ait plus disparité comme vous venez de le mentionner. Donc ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, nous parlons de la réforme constitutionnelle. Je ne sais pas si vous avez suivi ce dossier également où le gouvernement a adopté un texte qui devait être étudié en commission au Parlement, mais finalement, cette étude a été reportée. Donc, visiblement, il y a un souci. Et ce matin, on se demande comment obtenir le consensus autour de cette révision. Ok, en aucun cas dans la Constitution,
dans le caca. Qu'est-ce qui gêne au Togolais? Ça nous arrange tous. Donc moi, pour vous, je ne deviendrai pas président. Pour ceux qui veulent devenir président, on dit en aucun cas. Bon, c'est-à-dire aucun président ne peut dépasser deux mandats. Pour vous, c'est bien ici. S'il y a bonne conscience, bon, je suis président aujourd'hui, une fois encore 5 ans, et puis je laisse le pouvoir aux autres. Donc il n'y a pas de problème. Donc pour vous, en aucun cas, moi, ça ne gêne rien au Togolais. Bien. C'est-à-dire, nous avons faim, nous avons besoin de manger. En aucun cas, on ne peut pas nous donner une division au Togo. Bien. Ils sont tous les filles Togolais. Merci Thomas. Je pense que votre position est assez claire. Merci d'avoir participé à ce débat. Thomas estime que il n'y a pas de souci par rapport en aucun cas. Ça ne devrait gêner personne, ça ne devrait pas diviser les Togolais et que c'est à l'avantage du pays. C'est ce qu'il a souligné. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Oui, c'est Kofi qui est à l'appareil. Allez-y, nous vous écoutons, Kofi. Oui, moi, je voudrais que les deux parties prennent en compte le document de l'expert de la CEDEAO. Il faut qu'on lise ça, il faut qu'on sache exactement ce qui se trouve dans ce document. Vous voulez officiellement la version, la vraie, la bonne version de ce rapport? Oui, la version officielle. Bien. Parce qu'on me disait que c'est parce que j'ai suivi le ministre Bawara à la fois dernière sur Radio Suisse Canal Kala. Il disait que le rapport était en retard, c'est pourquoi eux ils ont envoyé leur propre rapport au Parlement. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous avez demandé à quelqu'un de faire un travail. Suivez la personne. La personne vous dépose maintenant, ils disent que ça fait deux jours d'avance. C'est-à-dire qu'eux ils ont envoyé le rapport à le 10. Et le rapport de l'aspect de la CEDEAO était le 12. Oui, donc vous pensez que le gouvernement aurait dû attendre le rapport de l'expert? Exactement, c'est pour cela qu'on a débloqué de l'argent pour... C'est l'argent pour son, pour le recruter. Pour l'aspect de la CEDEAO. Alors, M. Kofi, visiblement, Thomas, qui vous a précédé, il dit que la phrase, en aucun cas, l'expression ne devrait pas poser de problème. Est-ce que vous partagez son point de vue? Oui, ou vous pensez le problème qu'il devrait... ne devait pas se poser. En aucun cas, là, le problème ne devait pas se poser. Tous les Togolais peuvent briguer le mandat de la magistrature suprême. Alors, seule la famille là qui nous divise dans ce pays. Alors, en aucun cas, visiblement, ne pose problème pour personne. C'est sa mise en œuvre qui commence à poser des problèmes. Ça commence par où, en aucun cas? Le problème, c'est que c'est la famille Yacimbe qui nous trouble dans ce pays. Si réellement cette famille, le président actuel, sait que son papa a fait 38 ans et que lui, il a fait 15 ans, mais où est le problème? Ouais, le problème, le Togo ne compte pas seulement une seule famille. Bien, merci M. Kofi d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Suite au report de l'étude en commission du projet introduit par le gouvernement, comment obtenir le consensus autour d'un texte de révision constitutionnelle au Togo? Le 91 09 71 71. Un autre auditeur en ligne, allô? Alors, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Pascal. Pascal, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Tocan. Allez-y, nous vous écoutons. Sinon, par rapport à ce texte, si nos gouvernants sont conscients de la situation que nous menons dans le pays, et il ne s'agira pas de ce texte. C'est de voter le texte qui va dans le bon sens. La France, en aucun cas, ne doit pas poser de problème. Parce que ce n'est pas contre un individu. Et le président qui nous gouverne aujourd'hui doit savoir qu'il a déjà fait son mandat, les deux mandats, et il peut dégager. Ça veut dire que n'a pas libéré le pays. Ça veut dire que pour vous, il devrait se retirer en 2020. Il devrait se retirer en 2020, s'il a la bonne volonté. Donc parce que le pays n'est pas une entité familiale. Donc vous ne pensez pas que ceux qui estiment qu'on devrait couper la poire en deux, le laisser faire un mandat supplémentaire, vous ne pensez pas qu'ils aient la bonne vision de la situation? Ça, ce n'est pas normal. Bien. Ce n'est pas normal. Que des gens pensent à la place d'un peuple qui les a mandatés ainsi. Ce n'est pas normal. Nous souffrons dans le pays. Il faut qu'ils revoient leur copie. Il faut qu'ils cessent de chercher leur intérêt personnel. Nous souffrons dans le pays.
nous souffrons dans le pays, ils n'ont qu'à libérer le pays. Bien. Les têtes ne doivent pas être contre quelqu'un. Les têtes, c'est pour le peuple. Merci. C'est le peuple qui les a mandatés. Ils n'ont qu'à libérer le pays. Merci, Pascal, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Le 91-09-71-71, Apache Boyodi sur la page Facebook de Nana FM se demande avec qui doit-on obtenir le consensus. Si c'est avec le gouvernement, c'est perdu d'avance. Un autre auditeur en ligne, allô. Allô. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Moi, c'est Rodrigue. Rodrigue, vous nous appelez d'où? J'appelle d'Indezan. Adido Gomé, allez-y, nous vous écoutons. Ce que je ne comprends pas dans ce processus, quand on dit d'aller à l'Assemblée et voter... Vous voulez bien baisser juste un peu le volume de votre radio, Rodrigue. Ok. Allez-y. Ça va? Plus ou moins. Oui, je disais. Allô? Oui, nous vous écoutons. Et quand on dit d'aller à l'Assemblée et puis voter, ça amène des problèmes. Mais quand on les appelle de venir augmenter leur salaire... Ça n'a jamais posé problème. Maintenant, c'est le souci du bien des électeurs, ou bien c'est le souci de leur poste seulement qu'ils veulent à la campagne. Alors, pour vous, pour obtenir le consensus, que faut-il faire, Rodrigue? Alors, il n'y aura pas de consensus. Parce que c'est comme chien et chat. Ce qu'on dit, négociation, ce n'est pas ça. Vous pensez qu'ils devraient s'asseoir et discuter, comme l'a dit Taoufik? Oui, mais jamais ils ne vont jamais s'asseoir parce que chacun est campé sur sa position qui l'arrange et qui nuit aux autres. Et pourtant, presque tous regrettent le fait de ne pas pouvoir s'asseoir et discuter face à face lors de la médiation avec la CEDEAO. Non, c'est des illusions. Ils nous trompent. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas dire, quand tu dis je regrette, c'est que tu dois faire un acte qui prouve que ce que tu avais fait, tu as regretté ça. Mais quand tu ne fais pas de pas, mais tu dis on regrette, vous avez regretté, vous avez cherché quelle solution? Alors, qu'est-ce qu'on on fait finalement par rapport à ce texte, à votre avis? Est-ce qu'il faut l'adopter en l'état? Avez-vous eu écho de ce pré-rapport de l'expert constitutionnaliste? Qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça? Non, pour le moment, est-ce que c'est comme le rapport officiel n'est pas encore là? On ne fait que sur les réseaux sociaux ce qui se passe. Donc, si réellement cet expert a fait un rapport qui est limpide, pourquoi ne pas l'adopter? Pour vous, quel serait le bon texte en ce qui concerne ce sujet justement de limitation du mandat? Limitation du mandat, c'est limitation du mandat. Est-ce qu'il y aura un bon texte dans lequel il n'y aura pas limitation de mandat? Non? Donc la limitation pour vous, ça commence quand? Quand quelqu'un fait du mandat, il s'en va. Ou bien, et toi et moi, c'est pas ce qu'on a dit. Selon ce qui est écrit sur le papier, oui. Maintenant, vous connaissez le contexte togolais et vous avez écouté ceux qui pensent que... Non. Donc, vous pensez... Il arrivera un moment où le contexte togolais ne va plus exister. On parlera sérieusement. Donc, quand le temps arrivera, ce n'est personne qui va dire... Est-ce que cela veut dire que pour vous, il ne faudrait pas retourner en arrière, chercher à savoir qui a déjà fait deux mandats ou pas? Non, je vais te dire un truc aussi. Depuis ce temps où on a commencé à parler de mandat, si les gens avaient vraiment la conscience que ce pays évolue, ils auraient dû accepter, et je suis sûr que ce serait le dernier mandat de force. Maintenant, on n'en est pas là. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Vous n'avez pas répondu à la question. Pour vous, est-ce qu'il faut retourner en arrière ou pas? Oui. C'est-à-dire dire que le mandat passé fait un. Quand on est en négociation, si c'est deux que j'ai, je peux donner un et laisser l'autre. Donc, clairement, qu'on considère que l'actuel mandat du président Faure Gnassingbé soit le premier et il a la possibilité d'en briguer un autre, c'est ça? Comme ça, on serait tranquille. Bien. Si on le respecte, c'est en 2030. Bien. Merci. Merci, Rodrigue, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Le 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58, il faut préciser que c'est le premier à recommander clairement cette formule, que Faure Gnassingbé soit, qu'on considère qu'il est actuellement dans son premier mandat, une fois le texte adopté, et qu'il aura abrégué un autre mandat et tout le monde serait tranquille. C'est ce qu'il a dit. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô?
Allô? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle Kofi. Kofi, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bay. Bay, allez-y, nous vous écoutons. Je pense qu'il faut dépasser le débat et voir que ce qui peut pérenniser la paix dans ce pays. Commençons maintenant. Oublions le passé. Cessons même de personnaliser les choses. Ce n'est que cela que la paix viendra. Je pense que l'essentiel est déjà là. Tout ce qui se passe maintenant, c'est que chacun cherche ses intérêts personnels. Moi, je pense que le texte peut commencer de maintenant et ouvrir l'avenir. C'est-à-dire, c'est-à-dire que le texte ne soit pas rétroactif. Est-ce que cela voudra dire que le président Faure Gnassingbé aura la possibilité de faire deux autres mandats ou on considère que l'actuel est le premier? Non, deux autres mandats étaient ce qui était belliqueux. Maintenant, que chacun cède un peu, ou bien... Pour vous, ce serait le juste milieu? Oui, oui, le juste milieu, ça donc, va. Donc, vous ne partagez pas le point de vue de ceux qui pensent qu'une famille a déjà fait 50 ans et qu'il faudrait passer à autre chose? Tout ça, là, c'est ceux qui sentent l'écurie, veulent avoir le pouvoir immédiatement. Bien. Et ça, c'est la part, c'est le fait des éléments du 14 qui veulent aujourd'hui même le pouvoir. Ce n'est pas ça, le peuple. Bien, merci, merci. Merci, Monsieur Kofi, d'avoir participé au débat. Passez une très bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vous pouvez nous appeler, partager votre point de vue avec nous. Sur la page Facebook de Nana FM, Kenom Ange écrit que la seule solution que nous avons, c'est le retour à la constitution de 92 et le départ de Faure Gnassingbé. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Monsieur Dimeneko. Dimeneko, vous nous appelez d'où? Les Angéras. Allez-y, nous vous écoutons. En tout cas, ça frappe directement à notre président de la République. La première des choses, c'est qu'il nous organise aucune élection transparente au Togo. Je vous écoute, hein, Dimeneko. Automatiquement, et ce régime n'est pas organisé, les élections transparentes, c'est pour cela qu'ils font des forces dans les élections, il n'est pas que laisser les places à notre foi. Mais c'est pas très clair pour moi, je commence à m'y perdre un peu. Dimeneko, pour vous, on comprend que vous estimez que la phrase en aucun cas devrait affecter immédiatement le président de la République qui n'aurait plus la possibilité de... Automatiquement. Alors... En aucun cas, parce que en aucun cas, c'est-à-dire, mais il n'y a aucun commentaire. Alors cette position, vous le savez, est à l'origine d'un blocage qui dure depuis des années. Vous ne partagez pas l'avis de ceux qui pensent qu'il faudrait couper la poire en deux. Ce blocage, c'est dans les intérêts de ce régime. C'est dans l'intérêt de ce régime. Alors, si... La France, en aucun cas, directement, ça frappe le président de la République. Bien. Merci. Merci, Dimeneko, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, suite au report de l'étude en commission du projet introduit par le gouvernement, comment obtenir le consensus autour d'un texte de révision constitutionnelle au Togo? Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Je m'appelle Claude. Claude, vous nous appelez d'où? Oui. J'appelle d'Angoué. Allez-y, nous vous écoutons, Claude. Oui, je dis ceux qui disent que... Ah non, Claude. Oui. Ne vous occupez pas de ceux qui disent. Vous, qu'est-ce que vous dites? Dites-nous. Ok, il n'a qu'à continuer. Maintenant, ça doit commencer. C'est-à-dire, après l'adoption de la révision, l'actuel président devrait avoir le droit de briguer deux autres mandats? Oui, oui. Pour vous, ce serait le consensus? Oui, parce que les gens pensent que s'il part, il y aura la paix, c'est faux. Et les gens disent qu'ils souffrent. Ils souffrent comment? Ils disent qu'ils souffrent dans le pays, qu'il y a la misère. Oui, qu'il y a misère. Ceux qui viendront là, il n'y aura pas de misère. Ça, c'est le pire. Vous en êtes convaincu?
Oui, il va continuer et ça commence maintenant. Alors, ça veut dire que pour vous, vous ne pensez pas comme ceux qui estiment que vous, M. Claude par exemple, vous pourriez être président de la République, vous n'envisagez pas cette possibilité? Oui, il y a les jeunes. Les gens veulent prendre le pouvoir maintenant. En même temps, c'est pas possible. Comment? Bien. Il y a les jeunes, l'avenir. Vous êtes là, Claude? Bien. Visiblement, on l'a perdu, mais il a dit l'essentiel. Les deux mandats, c'est-à-dire après l'adoption de la révision constitutionnelle, pour Claude, l'actuel président devrait avoir la possibilité de briguer deux autres mandats. Un autre auditeur en ligne, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Antoine Afon. On vous appelle comment? C'est Rachad. Rachad. Rachad, vous nous appelez d'où? Avait dit, allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Antoine Afon, c'est comme le Togolais, on vit le compte de moi. Parce qu'on a voté la Constitution de 1992 à 98% de Togolais, on avait donné l'autorisation au père d'aller de pouvoir faire deux mandats. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il s'est, après avoir fait les deux mandats, il s'est permis de s'éterniser davantage. Voilà là où ça, le paraît. Il n'explique pas confiance. L'autre papa avait déjà fait plus de 3-4 mandats. Dans on a voté la Constitution à 98%. Mais donc, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Actuellement, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire, pour avoir un consensus autour du texte, pour vous, que doit préconiser le texte et quand est-ce qu'il entre en œuvre? Ouais, bon, le texte, en réalité, bon, moi je me dis, selon ce que je vois sur les réseaux sociaux, si le mandat en cours est pris en compte, c'est bon, mais je mets un garde-fou. Toutes les institutions seront indépendantes, d'accord. Parce que rien ne prouve que, si c'est bon, rien ne prouve que pour on peut gagner les élections. Bien. Merci. Merci, Rachad, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Certains sur la page Facebook de Nana FM écrivent que c'est inadmissible. La phrase « en aucun cas », l'expression « en aucun cas » doit être rétroactive. Un autre auditeur en ligne, le 91-09-71-71. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Pardon? Oui, on vous appelle bonjour. Comment? On vous appelle okay. Comment? Moi, c'est Adodo. Adodo de B, allez-y, nous vous écoutons. Ok, la question principale, c'est la phrase en aucun cas. Pas forcément, c'est-à-dire, suite au report de l'étude en commission du projet introduit par le gouvernement, comment obtenir le consensus autour d'un texte de révision constitutionnelle? Bon, tout ce que nous disons depuis, c'est la bonne volonté, surtout de la part du gouvernement. Et la meilleure proposition en ce moment, ce qui a été déjà dit, c'est de permettre au président actuel de diriger une transition pour préparer la relève. Puisqu'il a déjà fait 3 mandats, on lui donne la transition pour qu'il puisse préparer ce qu'il faut préparer et laisser la place, ne serait-ce que à quelqu'un de son parti, ou bien après une élection, laisser la place à un autre. Mais vous savez que l'idée de la transition n'a pas été retenue par la CDAO. Oui, c'est parce que les deux parties ne se sont pas entendues là-dessus. Et étant donné qu'une partie le propose, c'est que nous trouvons que pour toute dictature ou bien tout pouvoir qui a longtemps régné ou bien resté au pouvoir, on ne peut pas l'enlever d'un coup. Si ce n'est pas par les armes ou bien par une crise ou quelque chose. Donc pour vous, il faut une transition. Une transition. Est-ce que cette transition, pour vous, ça pourrait être le fait de considérer que l'actuel président fait son premier mandat et qu'il aura la possibilité d'en faire un autre après l'adoption du texte? Un autre après l'adoption du texte, ça va en même temps violer le texte. Donc pour et vous, ça ne permet pas aux autres. Ça va servir de jurisprudence pour ceux qui viendront. Bien, merci. Pour nous, il faut donner 2 ans, 3 ans de transition et
ensuite passer la main. Merci. Merci à Dodo d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Gracien écrit que l'expression en aucun cas ne pose aucun problème en réalité. Le vrai problème, écrit-il, c'est que ce régime ne veut pas entendre parler de changement. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Mon nom, c'est K.O. Pardon? K.O. K.O., vous nous appelez d'où? Je vous appelle dans les faits de Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Allez-y, ouais, nous vous écoutons. Ça va? Ça peut aller. Ouais, vous parlez de consensus, hein? Mm. Bon, je ne me vante pas, mais aujourd'hui, j'ai 65 ans. Il n'y aura jamais de consensus entre la mouvance présidentielle et l'opposition. Pourquoi? Parce que régime qui a duré, ne peut que donner ce que nous voulons. Parce que le système, moi je ne parle même pas de l'ONU, moi je parle du système. C'est ça les phases du système. Un système qu'on a ancré depuis 50 ans, c'est ce que ça va donner. Exemple, je vous donne un exemple de l'aspect du système. On a planté dans l'esprit des gens qu'il ne faut pas laisser quelqu'un prendre le pouvoir, sinon vous êtes foutu. Vous voyez? Mais alors qu'au 21e siècle, il faut remanier les présidents pour avoir un jour un bon président. Et je donne un exemple encore. Si le président Faure veut briguer 2 mandats ou 20 mandats, c'est bon, on va le laisser briguer. Et est-ce qu'il sera à mesure de racler les charognards qui raclent les milliards autour de lui? Pour vous, c'est l'essentiel. Oui, mais quand les gens parlent de développement, on a parlé de développement depuis que Nyassa a pris le pouvoir. Aujourd'hui, on est où? Je ne sais pas, moi je regrette, hein, je regrette que je sois né au Togo. Ah non, pas à ce point. non, c'est-à-dire... Monsieur K.O. Quand tu vois ce qui se passe au Togo, je n'ai pas fait de haute étude, c'est de la mafia. Mais est-ce que Monsieur K.O., est-ce que vous ne gardez pas l'espoir malgré... Vous voulez bien baisser encore un peu le volume de votre radio. Est-ce que vous ne gardez pas espoir malgré la configuration que vous venez de décrire, qu'il y ait une entente? Peut-être qu'un camp dise, OK, nous faisons encore un mandat en plus, ou bien une transition de tel nombre d'années, et le texte commence par prendre effet. Le texte va commencer par prendre effet. Avec ce que nous avions, avec ce que nous voyons, la CEDEAO... Vous n'y croyez pas? La CEDEAO, les délégués de la CEDEAO, les mallettes et puis le président... Non. Vous ne les avez pas vus, les mallettes, hein, monsieur K.O. Non, c'est-à-dire, c'est ça qu'on oublie, on est ici. C'est-à-dire que tu peux être quoi? Quand tu viens au Togo, on te propose les mallettes et tu oublies... Vous ne les avez pas vus, monsieur K.O. Merci d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Nous approchons de la fin de cette émission. Nous avons encore la possibilité de prendre un dernier auditeur en ligne. Ce sera le 16e, le 91 09 71 71. Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Kofi. Vous nous appelez d'où, Kofi? De Dabara Kongi. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, moi je propose que le président prenne conscience, parce que le pouvoir donne toujours envie. Même si son père est ressuscité aujourd'hui, il va lui reprendre sa place. Donc il faudrait qu'il se surpasse et abandonne les choses, parce que ce soit aujourd'hui, 30 ans, 50 ans, c'est la même chose. Mais qu'il voit la misère du peuple, quoi. Je le supplie. Bien. Merci Kofi d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Vous étiez le dernier, je l'ai dit. Et en résumé, alors on a eu 16 appels. 3 d'entre vous ont estimé que le président, l'actuel président, une fois le texte adopté, devrait encore avoir la possibilité de briguer 2 autres mandats. 3 d'entre vous. 2 d'entre vous ont estimé qu'il faut couper la poire en 2. C'est-à-dire on adopte le texte, on considère que le mandat actuel est le premier et qu'il a la possibilité d'en faire un deuxième, et tous les autres ont pensé que l'expression en aucun cas ne devrait poser aucun problème. Une fois le texte adopté, cela devrait frapper immédiatement l'actuel président. On espère que chacun a su en tirer de la bonne graine, et surtout les décideurs, les acteurs impliqués.
merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir participé à ce débat par téléphone comme par Internet. Notre invité, finalement, nous a rejoint. Malheureusement, il n'y avait plus assez de temps pour pouvoir échanger avec lui. Donc, c'est remis sur un autre jour. Restez fidèles à Nana FM. Stan Tekou était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une très bonne journée en compagnie de Nana FM. I'm not gonna make you mine.